Clame mon droit. C'est pour ça que je voulais que Bélisère soit là pour cracher sur lui, pour qu'il puisse comprendre. Pour qu'il aille parler à l'État haïtien, qui se font des chiens. Moi, quand je suis là, je suis dans le froid, je travaille. L'État haïtien prend une partie de l'argent que je vois pour ma famille. Hein. Il le prend depuis à l'envoi, il le prend. Et ils foutent quoi avec? Ils vont acheter des maisons aux États-Unis. Ils vont acheter des maisons à Miami. Et vous, vous êtes là à supporter tout ça. Ce sont des voleurs, des chiens, des races de vipères. Ils sont pires que les blancs. Moi, je te dis, les noirs sont plus mauvais que les blancs. Je dis aujourd'hui un blanc, c'est pas expérience. J'ai été arrêté ici. Le blanc, il a vu que je suis un artiste. Ils sont arrêtés par erreur. Il m'a dit, voilà, monte la voiture. Et le noir, quand il est monté, il m'a foutu la merde qui a coupé mon point. Ici en Haïti, si c'est en Haïti, il m'a parlé comme ça. Voilà, consulat qui a été envoyé. Voilà, allez à l'arrêter, fais-moi en prison. Parce que je veux pas fléter de la vie. Ce sont des chiens. Tu peux pas me comprendre, Charlie. Moi, le jour d'aujourd'hui, quand je sors là dans la rue, je froid aux mains. Je froid aux mains. Pour qu'ils puissent connaître l'histoire de Bélisère. Oui, ce sont des jeunes. Peut-être lui, ce sera lui le prochain président de la France. Quand François Hollande est parti là, il a dit qu'il allait rembourser la dette. C'est 21 milliards, il a eu à arriver en France, il a oublié. La France a une dette envers Haïti, la dette qu'on a payée pour notre indépendance. Et en 2002, le pape Jean-Paul II a dit que c'était un crime contre l'humanité et faire payer et de l'escroquerie. François Hollande est parti là l'autre jour en 2016, mais 2016, il a dit qu'il allait rembourser l'argent. Et il n'a pas remboursé. Laisse-moi parler. Si je peux parler avec la France, je peux parler avec Haïti. C'est pas normal que des jeunes, des artistes, des athlètes, ils sortent chez eux et ils ne sont même pas à manger. Et c'est eux qui doivent payer leurs billets pour partir à l'étranger. Ça, c'est un acte criminel. Et le pays a de l'argent. Moi, je coopère. Moi, je parle sur mon sang et sur ma vie. Parce que quand je réveille le matin pour aller travailler, cet argent-là, je coopère. Charlie, non, laisse-moi parler. Je parle à personne. J'écris dans le désert. J'écris dans le désert. Et déjà, nous, on ne parle pas français chez nous. Je parle au français. Je parle au français pour qu'ils comprennent. Et que les Haïtiens sont méchants. Si je suis à Paris, c'est parce qu'en Haïti, ils sont méchants. Je n'ai pas voulu vivre à Paris. C'est parce que chez moi, j'ai même pas à manger. Même pas à manger. On trouve même pas à manger chez nous. Est-ce que c'est possible qu'on peut réveiller le matin, on n'a pas à manger? C'est pourquoi je suis parti à Saint-Domingue. Et de Saint-Domingue, j'ai trouvé une Française, soi-disant, qui était tombée amoureuse et je suis arrivé à Paris. C'est mon histoire. J'ai déjà écrit deux livres, déjà, avec du mélancolie, parce que je ne pouvais plus. Chaque fois que je chante, c'est de la mélancolie, parce que... de la nostalgie, parce que je veux vivre chez moi. Mais le peuple haïtien ne donne pas la possibilité aux jeunes de rester chez eux. Les jeunes ne peuvent pas vivre chez eux. On ne peut pas vivre chez nous. Oh, Jovenel Moïse, sous ta Abdadim, sous ta Wem, misère à Paris, et pour notre tête, mon gouvernement. Bien que, ou ta sel nègre, l'autre Zumbaka et moi, ils équitent, tant pris pour ton Moïse là, et des jeunesses là, bien que, ou ta pensé que les m'a parlé, ou ta m'a parlé, mais, mon petit raisonné, à comprendre que c'est nous jeunes qui en colère. En colère parce que chaque même sorti dans la rue, je suis posé mettre un gros manteau qui pèse 2 kilos sous dôme parce que Freddy a trop rêvé. Et je vais retourner la Cayman, comment je vais vivre la Cayman? Je vais vivre comment chez moi? Mais dis-moi, peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vivre comment chez moi? Je vais rentrer chez moi. Et je vais vivre comment chez moi? Je vivrai comment? Dis-moi. Vous avez des pays où vous n'arrivez pas à manger. Je vais vivre comment chez moi? Je vais rentrer chez moi, mais je vais vivre comment?
Je vais vivre comment? C'est le cri des Haïtiens. C'est le cri de la jeunesse. C'est le cri de peuple qui n'a rien. Et le gouvernement coûte tout de l'argent pour acheter des maisons à l'étranger. Je vais vivre comment? Moi aussi, je veux rentrer. Moi aussi, je voulais vivre sous le soleil. Mais comment? Je réveille le matin, même pas un pain. Même pas 50 corps pour prendre un cassant. Jaurès. Jaurès. C'est un méchant. L'Haïti est 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 méchant. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui pleure. Il ne comprend pas. L'Haïti est méchant. Quoi? Ok. Je vais parler.